Aujourd'hui, je découvre pour vous les équipements nautiques d'hiver. Suivez-moi. Voici mon nouveau wetsuit pour aller faire du paddleboard en plein hiver, ou presque, disons. Il n'est pas fait pour la grosse hiver, disons comme ça, on est plus en fin de saison d'hiver, mais justement, quand il n'y a plus de glace, c'est l'idéal d'aller là. Alors, pour la sécurité en paddleboard, c'est important lorsque l'eau elle est trop froide d'avoir un wetsuit. Comment qu'on sait à quelle température, à quel quoi mettre finalement? Ici, j'ai une feuille qui explique vraiment toutes les conditions de l'eau et quoi mettre à ce moment-là. Donc, moi j'ai mon wetsuit, c'est un 4 mm, un 4/3 mm. Donc, ça veut dire qu'au niveau des parties vitales, c'est du 4 mm et au niveau des autres parties, c'est du 3 mm. Donc, c'est beaucoup plus facilement... on peut bouger, parce qu'on va aller pagayer. Donc, c'est important que nos bras soient quand même adéquats avec le mouvement. Ensuite de ça, un wetsuit, c'est une deuxième peau. Alors, c'est normal que ça soit serré. J'ai tellement chaud déjà juste maintenant à vous parler et je viens juste de l'enfiler. Donc, c'est normal. C'est vraiment pour garder notre chaleur. Évidemment, si on tombe à l'eau, c'est la partie d'air qui va faire notre isolant. Alors, entre notre peau et ça, donc notre wetsuit, ça va faire notre isolant. Ensuite de ça, vous voyez, moi j'ai un petit... il est comme incrusté dedans. C'est un petit cache-cou, justement, s'il fait un peu trop froid. Et quand on va sur l'eau, c'est pas juste une question de wetsuit non plus, c'est une question de bottes et de mitaines aussi. Alors, comme je vous disais, moi présentement, on est comme avec l'eau à 8-11 degrés, peut-être un peu moins que ça, mais étant donné, ça peut aller quand même là. Il faut juste être adéquat là, pour que si on tombe à l'eau, on puisse sortir rapidement, qu'on est capable de se remonter sur notre paddleboard et qu'on est capable de continuer notre excursion sans être frigorifié. Alors, c'est important d'avoir du linge chaud aussi quand vous allez retourner à la maison, dans l'auto, pour vraiment pouvoir vous changer après votre exercice physique, surtout si vous êtes mouillé.
qu'est-ce qu'on emmène en paddleboard, justement, pour être au chaud? Alors, comme je vous ai dit, le wetsuit, évidemment, on peut aller en diminuant de wetsuit plus que l'eau, elle est chaude. Donc, moi, ça, c'est mon nouveau wetsuit d'hiver, ben, tu sais, de plus pour les températures froides. Mais j'en ai un aussi trois quarts, donc qui arrête ici et ici. Pour quand il commence à faire un peu plus chaud, mais que l'eau est quand même froide, pour protéger nos parties vitales. C'est vraiment important parce qu'une hypothermie arrive très, très rapidement. Et surtout, le contact de l'eau, ça nous coupe la respiration. Et c'est ça qui nous amène à plus être capable de respirer. Et là, peut arriver les noyades ou l'hypothermie ou tout. Donc, c'est important d'avoir une bonne combinaison. Le wetsuit, première base. Ensuite de ça, on va au pied. Donc, on a des bottes en néopropène. Là, j'ai mis mes 7 mm, mais on a plusieurs grandeurs, types de bottes. J'ai aussi acheté des 3 mm pour le moindrement, dès que le temps le permet, je vais pouvoir les mettre et être adéquate là-dedans. Dans les bottes, soit qu'on peut y aller nu-pied, encore là, c'est l'air qui va faire notre isolation, mais on peut mettre des bottes en laine waterproof ou de mérino, et en fait ça va aller vraiment nous protéger encore plus de du froid. Je n'ai pas encore, je suis en train de regarder justement pour des bas vraiment vraiment waterproof que les pêcheurs utilisent, donc ça va être un prochain achat à me procurer, mais sinon j'ai d'autres bas de laine qui vont faire l'affaire pour l'instant. Ensuite de ça, là je vous ai parlé des pieds, je vous ai parlé du corps. Mais évidemment, on peut toujours se protéger parce qu'il peut y avoir des courants d'air ou des vents, peu importe. Donc, on peut toujours avoir un petit chandail en lycra qui va venir un peu nous couper du froid. Ou on peut avoir vraiment un coupe-vent à ce moment-là qui va venir vraiment empêcher le vent de nous refroidir. On peut aussi avoir une combinaison, je parle de wetsuit, mais on peut avoir un dry suit aussi qui est un peu comme un manteau. Coupe-vent, en fait, qui est toute une combinaison et qui va empêcher l'eau de rentrer, mais c'est un autre principe que le wetsuit, en fait. De plus, on va aller au niveau des mains maintenant. Là, il y a plusieurs possibilités. J'ai acheté, c'est ça que j'ai hâte d'aller essayer aussi, j'ai acheté des gants 5 mm qui sont quand même très... sont gros! Fait que j'ai hâte de voir si je vais être capable de bien pagayer avec ça. Vous voyez? Sont très gros. T'sais, ils sont pas grands pour. Dans le sens, ils sont pas trop grands pour moi, mais ils sont épais. Donc, j'ai hâte de voir si je suis capable de pagayer avec ça. Sinon, j'en ai des 3 mm que je me suis procuré aussi. Comme ça ici. Lui, j'ai l'impression que ça va aller quand même vraiment mieux la pagaie avec ce modèle-là. Ou sinon, j'ai vu sur des sites que du monde utilisait soit des gants de vélo, puis on se réchauffe les mains, ou des petits gants là comme ça. Tout dépend ce que vous êtes à l'aise. Au pire, emmenez-vous deux paires, comme ça, s'ils sont mouillés, bien, vous pouvez les changer. Ensuite, là, c'est important d'avoir un tuque, un chapeau, peu importe. Soit en lycra, soit en petite laine comme ça, il n'y a pas de problème. En fait, un, c'est pour nous protéger, puis c'est rare que notre tête va tomber dans l'eau aussi. En général, on va tomber et ça va quand même bien garder notre chaleur. C'est vraiment pour une protection contre la perte de chaleur et donc pour éviter l'hypothermie. Alors, moi, je pense que c'est pas mal tout ça pour ma petite combinaison d'hiver. Évidemment, vous vous mettez le plus à l'aise possible. Vous devez avoir du linge de rechange. C'est vraiment ça l'idéal parce que c'est quand qu'on... Si on tombe à l'eau, c'est bien beau, mais il faut être capable de revenir. Alors, on prend un dry bag et on se met du linge chaud dedans. Sinon, on en laisse aussi à l'auto, là, puis on se tient sur les bords. On essaye d'éviter les gros courants qui peuvent nous amener très loin. On va prendre des places qui sont un peu plus tranquilles. Et l'idéal, c'est d'être deux pour la sécurité. Évidemment, on va avoir toujours notre veste de sécurité et tous nos outils qui sont essentiels pour le paddleboard, pour notre sécurité sur l'eau. Alors, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je pense que ça termine pour ça, pour ma capsule. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!